Bonjour, je vais faire des breloques de sac avec ces anneaux. Voilà, j'ai rajouté un mousqueton pour mettre les clés, pour suspendre à vos clés. Et puis là, je vais mettre des rubans. Dans ma boîte, là, j'ai plein de chutes de rubans. Donc, je vais faire ça. J'ai oublié de prendre mes. Alors, je vais les chercher. C'est là. Attends, que je les prenne au bon endroit. Elles sont où? Elles sont là. J'appelle ça les pinces crocodiles pour pincer les rubans. Voilà. Alors. Je vais mettre plusieurs rubans. Alors, ceux qui ont du scotch derrière, je ne les mets pas. Je les recouperai après. Voilà, je vais mettre des petits. Ah ben ceux-là, ils sont attachés, donc je les couperai. Puis comme ça, ils seront pris dans le truc. Les petites feuilles, je vais mettre de ceux-là. Hop, si ça veut rester plat. Je vais mettre de ça. Alors déjà dans la crocodile, je ne veux pas en mettre des tonnes. Hop. Je vais mettre tout cela déjà. Je vais prendre mon pistolet à colle pour les coller dans la crocodile. On va mettre ça dans le crocodile. Là, j'ai une petite lanière de cuir. Je vais coller ça déjà. Je mouille mes doigts pour pas me brûler. J'appuie sur la colle du pistolet. J'enfile mon crocodile. Je vais le mettre droit parce que là, la colle a débordé. Et je pince. Alors le grand ruban blanc, là, il n'a pas tenu. On va l'enlever. Faut que je nettoie mes ciseaux, il ne coupe plus rien. Et là, je vais tout coller, couper à la même hauteur. Ah bah tiens, les feuilles non plus n'ont pas tenu. On les remettra. Ceux qui n'ont pas tenu, on en mettra sur une autre. Alors, ça, je vais le couper à cette longueur à peu près. Pour pas que ce soit trop long quand même. Hop. Voilà. Ici, je mets un petit anneau. Ma pince qui ouvre les anneaux.
Hop. La voilà. Comme ça, je l'enfile. Je vais l'enfiler là-dessus aussi. Allez. Voilà. Je vais en mettre un autre. Alors, je vais recoller ce qui n'est pas collé, ce qui n'a pas tenu. Ensuite, j'ai encore des bouts ici. Il faudrait que je le coupe au bout parce qu'il n'est pas droit. Ça y est, de la colle dessus. Ah, c'est pas vrai. Je vais tous les coller comme ça. Pénible les fils. Les fils de colle. Mais là, je peux en remettre davantage quand même. Mettre un verre. Hop, je vais mettre celui-ci dans mon crocodile. Alors, bien vous mouillez les doigts quand vous faites ça, hein, de façon à ne pas vous brûler. Voilà, bon là je vais couper. Je coupe à l'œil hein, et je vais rajouter sur mon anneau ma pince. Alors, pourquoi ça glisse pas?
Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Eh ben, quelque chose qui bouche le. Ça doit être du. La colle qui bouche le trou. Voilà. Bon, déjà là, ça fait déjà pas mal. Hein. Comme petite breloque. Alors j'en mettrais bien en plus un cheval comme ça. Et ça me gêne avec l'anneau. Avec l'anneau, ça va pas. Moi, je préfère garder l'anneau. Ou alors, je les mets à double. Dans une pince coco. Je vais les tenir comme ça en attendant. Hop, voilà. Ça, ça s'enlèvera pas. Là, il y a des perles. J'ai un rhumatisme dans le bras, ça me fait mal. J'ai du mal à manipuler. Vous savez, ces petits rubans là qui tiennent les vêtements, je les coupe tous et puis je les garde. Et ça m'en fait toujours une ribambelle. Les feuilles, j'en ai des vertes là. Alors, faites exprès, en enlevant la pince, ça a tout glissé. Il y en a un qui veut se faire la malle, là. Voilà. Hop. C'est pas vrai. C'est moi que je commande. C'est pas à vous de décider ce que vous voulez faire. Encore une petite lanière de cuir. Là, c'est un bout de fil élastique.
Voilà. Voilà, si je coupe, je coupe là. Il n'est pas tenu celui-là, il n'a pas voulu tenir. Et ben on va le remettre. Les perles. Oh là là, cette main me fait mal. Allez, on va coller tout ça. Poussez-vous. Vous voyez, quand je pince, j'ai dû vous bouger. Quand je pince, je ne me brûle pas. Et ça fait un espèce de bourrelet que je vais couper. Voilà. Et ça, je vais le mettre dans ma pince crocodile. Je remets de la colle. Et je pince. Alors, ce que j'ai fait tout à l'heure, que je vais vérifier là maintenant, c'est que tout à l'heure, la colle avait coulé dans l'anneau et que je pouvais plus rien passer dans l'anneau. Voilà. Allez, ma breloque. Je mets un deuxième anneau ou je prends encore sur le même. J'aime bien parce que ça fait épais, ça fait voilà. Je vais remettre sur le même ma pince. À... Oui, mais celui-là il glisse pas parce qu'il y a de la colle dans l'anneau. Alors, il est où l'ouverture? C'est pénible le chat. Ben, tout ça pour ça. Allez, j'ouvre l'anneau. Et j'enfile celui-là. Et j'ai une pince spéciale pour ouvrir les anneaux, moi. Parce que les anneaux que l'on ouvre comme ça, ils finissent par casser. Donc je ne m'en sers plus, moi je prends toujours les anneaux doubles. Mais chacun fait comme il veut. Hein. Moi je préfère faire comme ça. Aïe. Alors toujours le même problème, c'est que l'autre il ne glisse pas. Voilà. Bon, ben, j'ai mis trois bras sur le même anneau. Là, j'ai une colle, un fil de colle. Voilà. Et là, j'ai toutes mes chutes de ruban.
Alors, maintenant, ici, pour cacher mes crocodiles, je vais mettre des petits kikis. Mettre un là et un là. Alors, dans les nœuds, lesquels je vais mettre, ceux-là, ils ont des perles. Je pourrais mettre celui-là. Il faut que je rajoute un. Voilà. Et sur le troisième ruban. Quoique, je vais les laisser comme ça parce que finalement, ça s'est collé à l'anneau. Il n'y a pas utilité d'en mettre un troisième. Ah voilà, avec un petit ruban comme ça et un petit ruban comme ça. Alors on peut y coller des breloques hein, si on veut sur les rubans. Moi, je n'ai pas mis, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Ça peut aller sur des. Alors là, je vais tous les mettre à la même hauteur. Hein. Ça peut aller sur des dos d'album, sur des. S'en servir de porte-clés. Voilà. Alors, hein, voilà. Hein. Bon, ça, je vais le mettre à la poubelle. Ça ne servira pas. Et arrête de baver sur mes ciseaux. Ah. Il ne veut pas me lâcher la grappe. Hop. Je l'arrête. Et je vais en faire d'autres. Alors, est-ce que j'ai encore des crocodiles par là? Parce que... J'en ai utilisé que 3 et il y en avait combien? Il y a 5 je crois dedans. Combien il y en a? 8 pièces. Ah, ben alors attends, il doit y en avoir beaucoup là. Il doit y en avoir d'autres qui se promènent. Hein. Allez, je reprends un autre ruban. Jaune. Alors tout ça c'est des chutes de rubans que des fois quand on fait quelque chose on a des chutes plus ou moins grosses. Des petits bouts qui nous restent. Quand je fais des nœuds, des petits nœuds aussi, il me reste des fois des petites chutes de ruban. Quand on fait des albums, on a des petites chutes des fois aussi. Il est tout petit, mais ça fait rien, je vais le mettre quand même. Hop.
Voilà. Ça, c'est trop gros. Ah, celui-là s'est sauvé. Voilà. Ça, c'est vraiment trop petit. Ah, il y a du fil de fer là-dedans. Vous voyez, je ne prends que des chutes. Hein. J'ai des petites perles qui se promènent. Pareil pour les perles. J'appelle ça des échelles. Il me faudrait une plus grosse pince parce que celle-ci elle est vraiment petite. Un autre ruban. J'essaie d'aller dans le fond parce que dans le fond, il y en a d'autres. J'ai dit que ça, non. Il y a des perles. Ça, c'est des petits pompons. Ça, c'est des petits nœuds. Alors, j'arrivais pas à l'attraper. Voilà, ben là, je vais m'arrêter là. Sur tout ça. Sur le gros paquet. Alors, je rallume mon pitelet. Je mets de la colle à l'intérieur. Et ben alors, ah, il va falloir que je le recharge. C'est toujours comme ça. Là. Vous voyez, chaque fois que je fais ça, il y a de la colle qui sort. Ça, on le coupe. Mais si vous le faites en mouillant vos doigts, vous ne voulez pas. Bien mouiller vos doigts. Hein. Ne vous brûlez pas volontairement. Hein. Hop, dans le crocodile. Là, je vais la couper ici. Remettre un anneau. Hop. Alors, les anneaux, vous le trouvez dans le commerce. Hein. La pince. Ça m'énerve quand je vois des commentaires
où c'est que t'as trouvé ci, où c'est que t'as trouvé ça. Tout s'achète, suffit de chercher. Voilà. Et on trouve tout partout. On va quand même pas vous mâcher le travail quand même. Vous voulez pas qu'on aille acheter pour vous. Alors là, je vais en prendre un autre. Je vais mettre ça sur un ruban un peu plus large. Reprendre ma grosse pince. Je vais mettre en charge le deuxième pistolet. Parce que celui-là, il va me lâcher. Voilà. Même ça, je vais le replier en deux parce que je vais en mettre deux brins. Le bleu par-dessus. Un peu de celui-là. De celui-là. Ah, voilà, j'arrive plus à appuyer sur ma pince tellement j'ai mal à mon bras. Mettre le blanc. Je vais mettre la toile de jute, mais je vais la couper en deux. Elle est un peu large. Un petit peu de chaque côté. Allez, rentre. Voilà. Après, j'ai l'échelle là. Elle est coupée, je vais la couper et je vais la plier en deux. Voilà. Je peux en rajouter encore. Je vais rajouter ce jaune. Il y a toujours l'élastique. Ah oui, il y a